Bonjour! Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, blablabla, Jean-Luc Hachemann est arrivé, blablabla, tout va bien, la vie est belle, le maître de midi est un picard, donc voici juste. Non, c'était Antonin. Antonin qui était venu avec Yvette, sa mamie. Bonjour à mamie Yvette. En parlant d'Yvette, eh bien, quand je suis revenu de Bretagne, je suis passé devant GIF sur Yvette. Donc, si vous savez ce qu'est un GIF, donc j'ai trouvé un GIF sur Yvette, mais j'arrive pas à le faire clignoter sur ma vidéo. C'est dommage, c'était très mimi. Allez, au coup d'envoi, la première question. Qu'est-ce qui sort d'un bec Bunsen? Donc, bien sûr, c'était, eh bien, une flamèche. Après, vous aviez Arnaud le barbu. Alors, de quel domaine provient l'expression des vapeurs sous chasse? Eh bien, c'était de la danse. Après, vous aviez la très mignonne Justine qui était venue avec Thibaut, son petit ami. À quel moment la majorité des Français considère-t-il qu'une personne en couple doit supprimer son profil des sites de rencontre? Eh bien, c'était le premier jour de la relation. Petit conseil. Attendez un petit peu, parce que des fois, au bout de 2-3 jours après une relation, des fois, ça capote. Et si vous avez pris un abonnement d'un mois, attendez, avant de supprimer votre abonnement. Donc, passons. Après, donc, vous aviez Loïc, l'agriculteur, qui était venu non pas avec Laurence Ferrari, mais c'était sa femme et sa petite famille. Quelle chanteuse a dévoilé début janvier un nouveau titre baptisé Underdog, eh bien, c'était Demi Volato, je sais plus. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils mettent des questions comme ça, parce que franchement, une question musicale, je sais pas qui ça intéresse. Quelle région française est appelée French Riviera par les anglophones? Ouh, c'était trop dur comme question. Donc, bien sûr, c'était à Côte d'Azur. Que demandent les députés qui ont proposé une proposition de loi pour le droit du bénin en paix? Eh bien, c'était de faire pipi sans pub. Donc, sur cette question, Arnaud le Barbu est passé en rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, petit hommage à Ennio Morricone qui nous a quittés aujourd'hui. Puis, comme la musique des duels, c'est la musique de l'homme à l'accordéon. Donc, l'homme l'harmonica, pardon, plutôt. Donc, voilà. Donc, nanana. Bon, passons. Donc, allez, la question. Quel footballeur argentin est associé à l'expression la main de Dieu? Donc, c'était ouh, c'était trop dur. La question de bébé, c'était Diego Maradona. Ensuite, eh bien, Loïc, Antonin et Justine se sont retrouvés au coup partout.